Bonjour, je m'appelle Sam Kebizi et je vais partager pendant 2 minutes mon expérience d'administrateur chez Smart. Alors moi je connais Smart depuis 2011 puisque j'ai fondé le bureau de Marseille en partenariat avec la structure que je dirige qui s'appelle les Têtes de l'Art. Et c'est assez naturellement qu'en 2013, lorsque Smart s'est transformé en coopérative, j'ai décidé de participer plus activement en m'engageant dans le conseil d'administration, dans le collège des partenaires territoriaux. Depuis, je suis administrateur en continu et je ne regrette pas du tout cet engagement. Outre le fait que je sois très engagé dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, avec un mandat de vice-président dans une chambre régionale d'économie sociale et solidaire, le projet de Smart me passionne pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un projet visionnaire. C'est un des rares projets que j'ai pu croiser qui s'est attaqué aux transformations du monde du travail et notamment à la place des indépendants dans ce système. Ensuite, c'est un projet qui est utile. C'est un projet utile parce que l'outil s'adapte aux besoins des coopérateurs et pas le contraire, comme c'est souvent le cas. C'est un projet impertinent aussi, c'est ce qui me plaît, parce que du coup c'est un projet qui bouscule un petit peu les codes et les corporatismes qu'on peut trouver dans différents secteurs. C'est un projet ambitieux par la taille, par les outils qu'il déploie digitaux. On a souvent tendance à dire dans l'économie sociale et solidaire que small is beautiful, et là on peut démontrer avec Smart qu'on peut être très nombreux et qu'on peut quand même animer une vie coopérative dans un projet économique qui sert avant tout ses membres. Et ensuite, c'est un projet passionnant, tout simplement, parce que il rassemble des personnes d'horizons différents à l'échelle européenne et que c'est toujours très intéressant. Alors du coup, moi, j'aimerais continuer à rester administrateur, mais cependant, j'aimerais bien que de nouveaux collègues me rejoignent. Et pour ça, j'ai deux, trois conseils à vous donner. Le premier, c'est que quelle que soit son expérience, on a toujours une contribution à faire. Tout ce que tu as appris est utile à Smart et tout ce que tu apprendras chez Smart sera utile ailleurs. Ensuite, en général, on apprend plus que ce qu'on apporte. Ça, c'est une règle d'or et c'est sûr que ce sont des espaces où on apprend beaucoup. Et enfin, petit point de vigilance, un conseil d'administration est un espace particulier. C'est pas un syndicat, c'est pas une instance de représentation du personnel. Il faut savoir se détacher de son intérêt personnel pour défendre l'intérêt collectif de l'entreprise et de ses membres. Alors, j'espère que ce petit mot t'aura été utile et d'ici à te retrouver à l'Assemblée générale, je trinque à votre santé et à la santé de Smart. Au revoir!